Donc là, on s'en va au Mexique. Non, c'est pas vrai. Tout fucké ton documentaire. Donc là, on arrive à Tijuana. On est dans ce qu'on appelle le fond de la rivière. À Mont-Louis, ils disent le fond de la rivière. On s'en va nourrir les cochons. Ouais, il est là, Arnaud. Sérieux, ce printemps, en fait, là, il y avait de l'eau là, qui passait par-dessus, c'était capoté. Maintenant, c'est sec, sec, sec. Ah, vous le savez que vous allez manger, hein? Sa famille. Ça gonfle super rapidement. Tu vois. Si tu remettais un peu d'eau, ça l'a... Je leur mets beaucoup d'eau, c'était aussi. Ça fait chaud. Hein. Ouais. Nous autres, on les a reçus en mai. Non, on les a reçus en mai ou en juin? On les a reçus en juin. Ouais, ils ont trois mois. Et au fur et à mesure, on apprend, hein, puis on voit ça, mais c'est vrai, je suis comme toi, je regarde ça, je dis ça grossit vite. Hein. Puis au fur et à mesure, tu sais, les défis changent, là, parce que c'est des grosses bêtes, là, ça te défonce tout. Alors, quand ils étaient jeunes, on avait pas mal plus de simplicité, puis là, tu sais, on voit apparaître les problèmes, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? En même temps, il y a des avantages, là, ils passent plus, et ils peuvent plus passer en dessous de la clôture. Ouais, ils peuvent plus passer en dessous de la clôture, c'est ça. Déjà, c'est ça. Ils rentrent plus en dessous de la cabane. Mais... Je pense que c'est difficile de le faire parfait, tu sais. Je pense que, en plus de ça, ça va être notre première shot, puis... Ben, mon père va être là, là. Lui, il a quand même de l'expérience, beaucoup, dans l'exécution de cochons, là. Il a le sang-froid dans ces situations-là, ça va aider. Au pire, après ça, on lui en recolle une deuxième dans la tête, et non, puis... Non, moi, je pense qu'il faut faire ça... Ah ouais, la corde et tout le kit. Puis ça va jouer énormément sur la qualité de ta viande, là. Faut que le cœur il pompe quand il est zigouillé. Grande fête des 10 ans du hameau. Ouais, 10 ans de... Ben nous, on est pas là depuis le début, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Ça fait 10 ans que la terre ici a été achetée. C'est la grande célébration. Comme la fête qui s'organise, tout le monde est comme en mode de début party, puis là on est comme... Bon, OK, non, faut qu'on récolte ça. On voit que... Faut qu'on s'occupe des tomates. C'est difficile de prendre congé du jardin. Comme trop de choses à faire. Le jardin, lui, il s'en fout du pain, lui. Ben, il va quand même nourrir tout le monde. Mm-hmm. Hey, toi, Ali, tu garoches la terre vers toi, j'imagine? Oui, dans l'allée. Dans l'allée, c'est parfait.
Si t'en as, Antoine, tes voix, as-tu les, hein? Lui, ça a été le premier que j'en ai trouvé pour demain. Si tu les vois, abattu-les. OK? Écrase-les avec ton gros doigt. Ouais, ça, c'est un des mauvais côtés d'utiliser du fumier frais. Ça attire la mouche du chou encore plus. La date, ils n'ont pas grignoté rien. Ah, ma chère belle! Ils sont-tu beaux, ces choux-là? Ah! Hé, on va manger cet hiver! Vas-y, on perd attention à la mouche du chou! La petite larve, elle va arriver et elle va tout manger à racine. Ah, patin! Parlons maintenant de l'entreprise Junex, puisque l'entreprise pétrolière a annoncé la conclusion d'un partenariat de 8 400 000 $ avec Ressources Québec pour le développement du projet pétrolier et gazier de Galt. Nous recevons le président de Junex, Jean-Yves Lavoie. Avec l'annonce de la fin de l'exploration et de l'exploitation de pétrole sur l'île d'Anticosti, Junex a reçu une compensation de près de 5 millions de $. Est-ce que cet argent a servi à l'investissement dont on parle? Oui, cet argent-là va servir, disons, à nous soutenir dans notre effort. Donc, on devrait normalement commencer à faire le forage comme tel, puis trou horizontal, et c'est vers le début du mois de septembre. Un groupe de manifestants, dont certains cagoulés, bloquent l'accès en ce moment à un puits pétrolier de la compagnie Junex, à une vingtaine de kilomètres de Gaspé. Des membres du groupe Environnement Vert Plus se sont joints aux militants en établissant un camp de soutien près de la route 198. On peut écouter son porte-parole, Pascal Bergeron. Il n'y a personne qui écoute ce qu'on dit. On n'est pas consulté sur, sur ces travaux-là. Fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui voient ça puis qui disent « nous, on s'interpose ». Il
La Sûreté du Québec a démantelé les barricades qui bloquaient l'accès aux installations pétrolières de Junex à Gaspé. Oui, ça s'est passé hier soir. Donc, une personne a été arrêtée lors de l'opération policière qui était musclée. Donc, on rappelle que vendredi, la pétrolière avait obtenu une injonction pour lui permettre d'accéder à ses installations. Par ailleurs, le camp érigé aux abords de la route 198 est toujours sur place. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande bien qu'est-ce qui se passe. Moi, je viens d'arriver. J'ai tout manqué. J'ai écouté les nouvelles puis je comprenais pas. Je me dis, je vais venir voir sur place. Là, à l'œil, j'ai l'impression qu'on est là pour un bout. Jusqu'à temps que Junex s'en aille. Comme. Qu'il s'en retourne se faire pendre en bourse ou quelque chose comme ça. Là. Puis Petrolia aussi, puis toute la gang. Je pense qu'on a atteint le point où on est tous capables d'admettre que les recours officiels ont été épuisés avec une absence totale d'efficacité. Avec un gouvernement qui est autant actionnaire que législateur, qu'opérateur des projets, on ne peut pas compter vraiment là-dessus pour nous défendre. On va compter sur nous pour nous défendre. Il va falloir que ça fasse. Ceci dit, après la barricade, qui ont dû prendre leur char d'assaut pour la démanteler, des tentes attachées avec des bouts de ficelle et des petits bouts de bois, ça doit les faire rigoler. Mais rira bien qui rira le dernier. Nous, on s'est rencontrés ce matin. Puis on a décidé que le camp dans lequel on est, qui s'appelle aussi le camp de la rivière, allait perdurer. Donc, les gens qui sont ici ont fait le choix de continuer les actions. On veut saisir l'opportunité, dans le fond, pour maintenir un discours, dans le fond, sur les hydrocarbures en Gaspésie, pouvoir parler du projet de Junex, mais aussi des autres projets là, qui touchent aux hydrocarbures, faire de l'éducation populaire, puis éventuellement coordonner certaines actions à partir d'ici. Donc, on va rester aussi longtemps que nécessaire. Donc, vous voyez nos installations qui s'érigent, puis qui devraient nous permettre de rester ici un bon moment. Au début, c'était deux forages verticaux, bourg 1 et 2. Puis après ça, on a fait deux forages horizontaux sur la plateforme de bourg 1. Puis cette année, ce qu'on a fait à bourg, c'est compléter les puits. OK? Puis compléter, dans le langage de la compagnie, ça veut dire injecter, nettoyer à l'acide, mettre la pression là-dedans jusqu'à temps que la roche commence à casser. Fait que c'est une opération qui est un test de fracturation. C'est ça qu'on a fait à bourg cet été. Ça a fini pendant le début du camp. Les forages qu'ils ont fait, c'était des forages exploratoires. Ouais. Mais la différence entre explorer puis exploiter est assez mince, là. Là, on va passer au projet Galt. Galt de Junex, il y a 6 puits. 5 qui ont déjà été faits, puis un 6e qui était supposé se forer en septembre. OK? Puis la différence entre explorer, qui est creuser le trou, coffrer,
faire le forage horizontal, tout faire les opérations, puis exploiter, c'est juste aller chercher un bail au gouvernement pour puis commencer à payer des redevances. Puis installer quelques... Tu sais, comme sur le bord de la route là-bas, au kilomètre 116, ils ont installé une station là, il y a un petit gazoduc qui part du puits, qui descend sur le bord de la route, avec des réservoirs pour emmagasiner tout ça. Mais au final, un coup qu'on a fini l'exploration, on a fait tous les dommages qu'on avait à faire dans le sous-sol avec un puits. Puis c'est un truc qu'on conçoit mal, là, mais dans le langage, c'est ça que ça veut dire. Mais juste comprendre, pour explorer, t'as pas le droit de sortir du pétrole puis de le vendre, ou sortir un produit puis de le vendre par après, ou? T'as le droit, dans la phase exploratoire, à 240 jours de pompage. D'ouvrir la vanne pendant 8 mois. Okay? Puis ici, à Gold 4, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont ouvert la vanne pendant 8 mois, ils ont sorti 18 000 barils de là. 18 000 barils à 50$ le baril, qui est comme le maximum du prix que le pétrole a été depuis qu'ils ont ouvert la vanne, ça fait 900 000. Le puits Gold 4 a coûté autour de 10 millions de dollars. Ça, c'est sans compter Galt 1, 2, 3, 5 qui ont déjà été forés. 5 qui est un forage horizontal qui est complètement sec. Fait que c'est un puits à 10 millions qu'il faut qu'ils rentabilisent avec Galt 4, tu sais, si on veut être even dans les opérations. Fait qu'à 900 000 pour 8 mois, on n'est pas pantoute. Ça, ils ont le droit de vendre. Hey, les orientaux! Eh ben! C'est comme quand même bien là, qu'il y ait du monde qui ont la capacité d'étudier à temps plein, là, en permanence, là, dans le fond. Là. Ouais. On a des gens qui font partie de la continuité, puis dans le fond, qui savent un peu ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui va se passer après. Ouais. Cette continuité-là est bien utile parce qu'il y a plein de gens, puis c'est vraiment agréable qu'il y ait des gens qui sont de passage, mais ça. Oui, ça, faut des piliers qui assurent la fluidité et tout ça. Ouais. Okay. Vous autres, ça se passe comment? Ça roule, ouais. Ça se passe vraiment bien. Ouais, les jardins, c'est un été de fou, là. Comme pour la météo. Puis... Alors, vu qu'on a de l'irrigation, le fait qu'il fasse chaud puis soleil, c'est cool. Mm-hmm. Ouais, c'est un été cool. Ça roule à fond la caisse, ça. Mm-hmm. Ouais, ça n'arrête pas bien. Mm-hmm. On était trois ici. Puis pendant quelques jours, tu sais, ça augmentait tranquillement d'une ou deux personnes par jour, là. On a un beef. On a réussi notre 300, là. Moi, je dis que ça prend 200 personnes ici pour qu'on gagne. Après ça, c'est le temps de se rendre puis d'organiser pour réussir à se rendre là. Parce que, tu sais, il y a du monde qui vont s'en aller ici aussi pendant ce temps-là. Là. Ah, c'est merveilleux. Je me sens comme si on était sur la rue Sainte-Catherine. C'est un chantier qui... un camp qui progresse. C'est heureux, il y a des gens de partout, il y a des gens de toute origine aussi. Les Premières Nations commencent à arriver. C'est merveilleux. Moi, j'ai la larme à l'œil facilement, donc ça m'est arrivé là, de m'essuyer les yeux. Puis là, on reçoit à dîner les chefs des trois communautés. Et les gens ont été invités de façon large, donc... on se met à table bientôt. Oui, quand même. Avec nous autres, si on se présente sur place, là, on savait qu'il y avait un rassemblement aujourd'hui. On fait juste un compte rendu du nombre de personnes qui étaient venues. Les installations qu'il y a sur place. Comptez les tentes. Bon, on vient juste s'assurer que tout est correct. Les gens dorment dans des tentes. Pas de froid, pas d'hypothermie. Vous êtes un groupe qui est ici. Il y a eu des débordements. On veut juste pas qu'il y ait d'autres débordements. De nous, puis... On est venu, on a discuté avec tout le monde. Autant vous que les enfants, si vous avez vu, on a flatté le chien. On est vraiment là pour vous, là. C'est pas... OK?
c'est bon. Mais si, avez-vous des questions des fois? Parce que je peux vous aider sur notre présence ici. Vraiment pas de questions. On est vraiment autonome. Puis on n'a pas requis votre support là-dessus. Puis si on a vraiment besoin c'est sûr, de votre mais ça reste quand même un lieu qui est, ça reste quand même qui est un lieu qui est public, avec un chemin d'accès que les autres doivent respecter. Fait que c'est sûr que nous, on doit juste s'assurer du respect des règlements. Ça devient politique, c'est, vous êtes d'accord avec moi. C'est bon? C'est bien correct. On a dit qu'on vous supportait. We are very grateful. Nous avons beaucoup de gratitude. You know, for the defense of our lands, waters, and resources. Pour la défense de nos terres, de nos eaux, puis nos ressources. And what we will do, we're going to continue to help you using our inherent traditional jurisdiction. On va continuer à vous aider en utilisant nos juridictions traditionnelles. In trying to stop Junex. En essayant d'arrêter Junex. That will be another front, like a legal front. Et ça, ce serait un autre front légal. Yeah. And we're going to use their laws against them. So. Nous allons utiliser leurs lois contre eux. They're vulnerable. They're vulnerable when you use their law. Ils sont vulnérables. It's still our territory. We've never sold it, never ceded. Ils sont vulnérables quand on utilise leurs lois parce que c'est encore nos territoires, on n'a jamais cédé. Thank you. Claudio. We're officially here. officially here. I got to come here and enjoy and protect. We're all on the island here. Le drapeau
enfoncé au fond de la gorge de force pour l'exemple. À mon corps défendant, je tente de recracher l'instrument, mais bientôt, on me le fixe avec un nœud coulant. Tu fermes ta gueule ou je te pends. Ça goûte la vieille huile, puis le ciment, l'eau sale, puis le sang sûr. Le sang sûr. Les mains se serrent autour. J'entends le bruit des bottes et le cliquetis des menottes. Le rire gras des gars de job de bras. Je vomis et je ravale sans cesse mon humiliation et ma détresse. Le feu me brûle en dedans et je l'éteins de mes larmes. J'ai peur quand je comprends pourquoi des gens prennent les armes. Cette terre pour laquelle je tombe bientôt sera noire de monde, faisant front de leur amour face aux voleurs et leurs complices. Notre colère sera comme une bombe sur les genoux du ministre. Son erreur sera sans doute d'avoir voulu nous faire taire. Ils seront soufflés par l'onde. Pour un qui tombe, il s'enlève 10. Plein de mémoire et d'audace, des résistants créatifs enracinés dans la place de tout âge, de toute race. Serez-vous de ceux-là quand viendra l'heure de faire un choix? Le silence étant évidemment la pire des options, ici on choisit de se donner la parole puis de s'écouter. C'est déjà ça de pris. Ensemble, on fabrique de la liberté et de l'écoute. Ça nous rend collectivement moins cons. Si ça se faisait plus, on aurait vraiment beaucoup moins de problèmes. On se rassemble entre 6 et 12 fois par année pour faire du slam, de la poésie. Il y a juste les plus fous qui viennent, c'est super. Là, on est dans l'entraque. Il y a du monde qui finissent leurs textes ou qui finissent les apprendre. Il y a du monde qui vient pêcher, mais ils savent pas ce qui se passe ici. J'aime ça ce qui se passe ici parce que c'est un petit moment où ce que ma communauté ressemble de ce dont je rêve. Je rêve que ça se passe tout le temps. Ouais. On veut être efficace partout, non-stop, tout le temps. Avec la corde au cou, on poursuit ce but, comme si c'était la seule manière d'être en paix avec ce qu'on fait. On travaille parce qu'après, c'est bien plus confortable quand quelqu'un nous demande « Pis toi, qu'est-ce que tu fais? » Quand on vient ici, à la mer, notre caméléon reste dans la voiture ou à notre maison. Les herbes sèches qui flagossent au vent derrière font un bruit qui nous brosse l'esprit révolutionnaire endormi. Au loin, en refrain, le bruit des machines sur le bitume. Ici, on fait souvent des rencontres imprévues. Ce sont les plus délicieuses parce qu'il n'y a pas d'attente ni de dû. On se fait un feu dodu, on se prélasse en écoutant le crépitement discontinu des flammes et de leur grâce. On va se coucher la tête pleine d'étoiles avec une odeur de fumée qui nous rappelle nos ancêtres. Demain, il n'y aura plus de traces de nous. La mer aura enflé et elle reprendra ce qui nous appartiendra jamais.